Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parle d'un super livre qui s'appelle « Le petit décodeur illustré de l'ado en crise ». Je suis Anaïs Evert, psychopraticienne, coach parentale et formatrice, fondatrice de l'Académie des coachs parentaux. Si vous aussi, vous voulez devenir coach parental ou accompagnant en parentalité, abonnez-vous rapidement à ma chaîne. Comme ça, vous aurez plein de conseils, plein d'astuces et plein de contenus liés à la parentalité. Alors, je vous parle donc de ce livre, Petit décodeur illustré de l'ado en crise, livre de Anne-Claire Kleindist et Linda Corazza. Alors, j'avais déjà lu de ces auteurs-là le petit décodeur illustré de l'enfant en crise, déjà hyper intéressant si vous avez un enfant ou si vous accompagnez des parents qui ont des enfants qui font des crises. Et donc là, celui sur l'adolescent est vraiment intéressant. Alors, je vous montre parce que ça vaut vraiment le détour. Vous avez à chaque fois, voilà, c'est très, très illustré. Donc, si vous avez des difficultés pour lire, si c'est pas trop votre truc de bouquiner des livres sur la parentalité, eh bien, sachez que ça, c'est super simple. En fait, vous avez à chaque fois, donc par exemple, il s'habille comme il veut, avec donc une illustration de la situation et des explications. Pourquoi votre enfant, pourquoi votre ado réagit comme ça et comment on peut réagir. Alors, comment réagir? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Et donc, des pistes de solutions en dialogue. Donc, très, très intéressant. Ça s'appuie vraiment sur les neurosciences, sur la parentalité positive. Elles sont, d'ailleurs, Anne-Claire, elle est formée en discipline positive. Voilà. Vous avez également, très intéressant également, une partie pour les enfants, pour les ados, que vous allez pouvoir donner à lire à votre ado. Alors, je vous donne un exemple. Il ne voit pas que j'ai grandi. Hop, pareil, une illustration, une explication de pourquoi c'est comme ça et pourquoi les parents réagissent comme ça. Donc, ça aide à mieux se comprendre. Ça aide les parents à mieux comprendre leur ado, ça aide les ados à mieux comprendre leurs parents. Et puis, vous avez aussi une partie qui est plus théorique, qui explique un petit peu plus ce qu'est l'adolescence et comment maintenir le lien avec votre ado. Bref, outil indispensable quand on est parent d'ado, vous l'avez compris. Si je l'ai lu, c'est pas par hasard. Et je suis ravie du coup d'intégrer cette approche-là. Ça conforte hein, des choses que moi je transmets, mais je trouve ça vraiment très intéressant parce que très concret. Donc je le recommande, à mes élèves. Je vous le recommande si vous êtes professionnel de l'accompagnement des parents. Je vous le recommande aussi, bien sûr, si vous êtes parent d'ado. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Eh bien, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.